Je fais toutes les stratégies avec Scred, enfin c'est plus même Scred qui fait les stratégies et moi je l'accompagne, tu vois. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. En fait, avant Basic, je savais pas quoi. J'étais pas dans un doute total parce que je savais que le clip était bien. On savait que nous on kiffe Basic à fond depuis le début. Mais on savait pas comment les gens allaient le prendre, quoi. On se disait, est-ce que... On savait que c'était un bon titre pour revenir, parce qu'on aimait bien le concept de, allez, maintenant, on revoit les bases, je vais faire une chanson simple, ça faisait vraiment le retour, quoi. Mais on savait pas comment les gens prendraient le morceau. Et en fait, on a halluciné en voyant, genre, le nombre de vues, le... Puis tu sais jamais si les gens, ils t'attendent, s'ils t'ont oublié. Donc j'étais là-dedans. Avant, quand j'écrivais l'album, j'ai eu des grosses périodes carrément de doute où je me disais, est-ce que j'ai encore le truc? Est-ce que j'arrive encore à écrire? Est-ce que ça a un intérêt? Et maintenant, bah, je suis content. Mais moi, ce qui me rend vraiment content, c'est les bons commentaires, les bonnes critiques. Vraiment, sur l'album, j'ai beaucoup, beaucoup de bons retours et ça fait super plaisir, quoi. Ouais, l'album de la maturité, on me le sortait déjà sur Le Chant des Sirènes, mais c'est vrai que cet album-là, La Fête est finie, il parle de ça en plus, il parle du fait de prendre ses responsabilités, il parle du fait de ouais, savoir ce qu'on veut. La chanson Note pour trop tard, c'est marrant que tu dis ça parce que pour moi c'est une chanson qui s'adresse un peu au moi de perdu d'avance, tu vois. Je disais toujours que Perdu d'avance c'est un album qui représentait mes 15-25 ans et c'est à cette personne-là que j'ai voulu parler dans Note pour trop tard, donc ça fait une boucle et c'est vrai que je trouve aussi que l'album est paraît plus mature pour les gens parce que je trouve que j'ai plus trouvé mon style où avant je faisais je sais pas, avec Scred on a beaucoup bossé les instrus, on a beaucoup essayé de trouver un son qui nous ressemble, même moi dans mes façons de chanter, même dans ma manière de rapper, j'ai l'impression d'avoir vraiment réussi à trouver un truc quoi, et ça je le ressens vraiment et donc ça me plaît quand même le truc maturité, je le prends pas comme un cliché parce qu'ils ont rien d'autre à raconter. Non, j'ai pas encore ce truc du vieux rappeur qui ressurgit. Je l'ai, en fait, je l'avais un peu en écrivant l'album, mais déjà, je suis pas encore si vieux. En plus, j'avais un peu en écrivant l'album où je me disais, bah, comme là, je suis à Bruxelles, tu vois, par exemple, des mecs comme Roméo Elvis ou quand je vois des mecs comme ça arriver ou Damso, évidemment, quand je vois des mecs comme ça, je vois, putain, c'est frais ce qu'ils font, putain, c'est nouveau, ça existe pas. Où moi j'en suis, tu vois, un peu, parce que tu te poses toujours cette question. Et donc, ouais, il y a eu un moment comme ça où je me suis un peu remis en question, mais bon, c'est toujours comme ça à chaque album, quoi. Là, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute vraiment de tout, quoi. J'écoute vraiment de tout, en rap, j'ai vraiment bien kiffé XXXTentacion. J'ai vraiment, bah j'écoute beaucoup de rap anglais. J'écoute toujours beaucoup de grime ou même il y a du rap anglais qui est cool, qui est pas forcément du grime. Et donc voilà, j'écoute, mais j'écoute quand même globalement un peu tout ce qui sort quoi. Toute la clique Caballero, Jean Jass et Romeo Elvis et compagnie, je les aime bien, tu vois. Je les kiffe quoi. J'aime bien leur musique et eux-mêmes, je sais pas comment dire, j'aime bien leur délire quoi. Damso, j'ai bien écouté l'album, bah, je le trouve hallucinant. Je trouve qu'il a des mélodies de malade. Je trouve que bah les paroles sont fortes aussi, tu vois. Et je sais pas, il est trop fort quoi. Et l'album, il m'a bien. C'est vrai que des fois quand j'écrivais l'album, je me disais putain, ok, Damso, il a ça comme style de flow, tu vois. Tout en pas vouloir faire pareil, mais quand même me dire. Ah là, il a vraiment amené un truc qui lui ressemble et qui. Il y a tellement de mélodies et c'est tellement intelligent comment c'est construit que ça peut rendre plein d'autres trucs un peu ringards, tu vois. C'est le genre de truc qui me challenge. Et j'aime bien Hamza aussi. Et après, je pense que j'ai fait le tour de tous les rappeurs belges que je connais dans ce moment que j'aime bien. Bah, on a le bon mélange entre à la fois du texte, parce que les gens. Dans les pays francophones, on aime bien les textes quand même. On a un bon mélange entre les textes, c'est-à-dire on a du contenu, on a quand même de la mélodie, on a des morceaux à la fois tu vas les écouter juste pour t'ambiancer, et puis à côté tu vas écouter des morceaux plus pour être posé, et puis en même temps, je sais pas, je me rappelle il y a 15 ans quand j'écoutais du rap, les Américains ils étaient au-dessus.
Et on pouvait pas produire comme eux ils produisaient. Maintenant, en termes de son, c'est la même chose. Donc, t'as plus besoin d'aller chercher chez les Américains ce que nous on allait chercher à l'époque quand ils avaient des synthés incroyables qu'on pouvait pas se payer, tu vois. Et je pense que tout ça fait que les gens ils se retrouvent dans une musique qui sonne bien, qui a des paroles qui les touchent parce que c'est concret. Et qu'en plus, maintenant, il y a de la mélodie. Donc, il y a tout. Et puis, le rap, c'est tellement large que tu peux aller chercher un peu, je sais pas, tout ce que tu veux, quoi. Si on veut parler genre des changements, c'est qu'à l'époque, quand t'avais une musique qui passait à la radio, t'avais pas d'alternative, t'étais obligé de l'écouter. Ou alors fallait acheter le CD et c'était déjà une démarche, quoi. Tandis que maintenant, s'il y a un truc qui te plaît pas, bah t'écoutes un autre truc, quoi. Donc pourquoi aller critiquer Je trouve ça, il y a plus vraiment de raison de critiquer les choses quand tu peux juste les laisser de côté, aller écouter ton kiff, quoi. C'est un peu notre réponse au racisme avec Gims, tu vois, parce que en gros dans le refrain, je m'adresse un peu aux gens qui, un peu les vieux français, qui se disaient putain, c'est un blanc, il aurait pu faire de la musique pour nous, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, on en joue. Après, c'est une chanson qui est marrante, c'est pas non plus un truc politique engagé, mais c'est quand même un peu notre réponse en disant nous, on est des mecs d'une culture, notre culture en fait, elle mélange tout. On a toujours écouté tout style de musique. On a toujours écouté, je sais pas, du reggaeton, du reggae, de la variété française, du raï. Et donc nous, on prend ça et on mélange tout et on fait notre musique. Et donc en tout cas, pour nous, il n'y a aucune raison d'être raciste, quoi. Juste pour nous, on mélange tout, tu vois. Bah grave, quand ils disent le rap c'est la nouvelle chanson française, c'est vraiment un compliment. C'est pas, ils disent pas c'est la nouvelle variétoche, tu vois. Ils nous mettent dans des cases, je pense, comme des. Et puis pareil, la chanson française, c'est large, quoi. Tu vas avoir des Goldman qui vont faire des grands tubes, et puis après tu vas avoir des mecs comme TFN qui vont faire des trucs un peu différents. Et j'aime bien parce que moi j'essaie de faire les deux aussi. C'est pour ça que j'avais invité Gims sur ce titre-là, parce que je trouve que Gims, il a ce truc-là de. En fait, déjà tout ce qu'il fait, Gims, je kiffe. Qu'il fasse une chanson comme Tout Donner, ou comme Sapé comme Jamais, ou comme Zombie, ou qu'il fasse une chanson ultra rap comme 30% ou Vécu de PQ ou des chansons comme ça, à chaque fois il m'a. Et en plus, des fois, il fait des chansons marrantes. C'est-à-dire, pour moi, c'est un artiste de ouf qui est capable de. Ouais, de faire tous les styles. Et c'est peut-être là où les gens nous classent dans la variété. C'est vraiment dans le sens variété, quoi. Genre, c'est varié. Tu vois, un mec comme Sopra, qui est un rappeur depuis. Depuis combien de temps il est là, Sopra? J'avais acheté le premier album des Psychiatres, tu vois. Et il tuait, il était trop fort. Et maintenant, il arrive à faire des chansons, il remplit le stade Vélodrome, mais il est toujours aussi fort dans un autre style. Ça veut dire que c'est varié, quoi. Bah, je pense que c'était une façon un peu de lancer le truc. Mais c'est vrai, en fait, j'ai vu sur Twitter, mais pas de Doc Gynéco, j'ai vu d'autres gens qui avaient reposté l'info et tout. Bah, moi, je kiffais grave Liaison Dangereuse. C'était une compile de ouf. J'avais acheté d'ailleurs à l'époque. Et ouais, c'était de la bombe, donc, pourquoi pas, quoi. Ça peut être un bon délire. Mais j'avais jamais fait de chanson où, genre, t'es dans. L'amour, tu vois. Déjà, j'essaye toujours de faire des choses positives et j'y arrive pas toujours. Donc, du coup, je m'étais dit, ah, quand même, j'ai envie de faire une vraie chanson sur l'amour, mais l'écrire comme un truc de rap quand même. Ça veut dire, j'ai quand même écrit un peu avec des espèces de punchlines ou des espèces de métaphores qui vont beaucoup trop loin, mais pour bien montrer le sentiment. Et c'est une chanson. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire une, mais là j'ai vraiment. Je suis vraiment content d'avoir fait cette chanson, quoi. Ah bah merci beaucoup. J'aime toujours venir ici. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avant l'interview. C'est genre à 1h10 de chez moi et je viens pas assez. Je suis trop content que l'album ait un bon accueil ici. Je suis trop content de venir jouer à Forêt. Jusqu'à maintenant, j'avais joué à l'ancienne Belgique, mais là, je viens à Forêt le 23 mars. On est en train de préparer un show de ouf. Et puis voilà, quoi. Merci beaucoup. Ça me fait très, très plaisir. Je vous kiffe.